Bonjour tout le monde et bienvenue à cette entrevue de l'activité d'exploration Je m'oriente en live proposée par l'organisme Jeunes Expo Stage d'un jour. On est très content à Jeunes Expo de vous offrir une opportunité d'exploration à vous les jeunes à la maison pour vous aider dans votre processus de choix scolaire et professionnel. Je me présente, mon nom est Audrey-Anne Cloutier-Côté, je suis chargée de projet à l'organisme et c'est moi aujourd'hui qui va animer cette entrevue bien spéciale d'autant plus que c'est notre 50e entrevue pour l'activité. Et pour l'occasion, on a avec nous un mentor qui est programmeur, développeur en jeux vidéo pour la semaine thématique des TI. Alors, ça va être une entrevue vraiment fort pertinente. On a hâte d'en apprendre plus. Sans plus attendre, je vous présente notre mentor, donc Sébastien Rousseau. Bonjour Sébastien. Bonjour. Donc, tout d'abord, merci d'avoir accepté l'invitation d'être mentor et de nous parler de ton quotidien pour la programmation en jeux vidéo. C'est un domaine extrêmement populaire de la part des jeunes qui s'inscrivent à Jeunes Expo. C'est un domaine qu'on n'entend pas beaucoup parler. C'est beaucoup confidentiel là, de ce que je comprends. Donc, aujourd'hui, ça va nous permettre d'en apprendre un peu plus. Est-ce que tu peux nous expliquer d'ailleurs pourquoi est-ce que tu as accepté l'invitation et pourquoi c'est important pour toi de t'adresser aux jeunes aujourd'hui? Ouais. Bonjour les jeunes. Ben ça, je tiens juste à dire merci à l'équipe de m'avoir reçu comme étant le 50e visiteur, je veux dire. Pour moi, c'est important de participer à Jeunes Expo parce que je crois beaucoup en la mission et en le fait d'aider les jeunes. J'ai moi-même eu des problèmes d'orientation à un certain point de ma vie et j'ai été très content d'avoir le support nécessaire. J'ai connu beaucoup de personnes qui ont fait Jeunes Explorateurs d'un jour également. Donc, je pensais que c'était comme ma façon de redonner à la cause puis d'être capable de motiver les jeunes à croire vraiment puis à trouver leur voie à travers le monde du travail. Effectivement, puis on te remercie encore une fois d'avoir accepté. Je suis certaine que la rencontre d'aujourd'hui va permettre à plusieurs jeunes d'éclairer leur choix scolaire et professionnel. Donc, toi, tu travailles dans les jeux vidéo, en programmation, développement. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ton employeur actuel? Oui, je peux vous parler de mon employeur actuel. Ben, en fait, mon employeur actuel, veux-tu que je te partage mon écran? Oui, on peut y aller avec un partage. Avec un partage d'écran. En ce moment, je travaille pour un petit studio indépendant qui s'appelle Qatar Games. Je ne sais pas si tu vois mon écran ici en ce moment. Oui, c'est bon. Donc, dans le fond, à l'intérieur de Qatar Games, c'est un tout petit studio. On est environ une dizaine de personnes. On est beaucoup en termes de servicing, puis on fait des jeux très, très variés. Là, en ce moment, notre site web est en refonte, donc à prendre avec un petit grain de sel. Mais on a fait des jeux comme Derby Dragons, donc on a fait de l'art, le design, etc. Donc, on a fait la programmation de ce jeu-là, quoique moi, je n'ai pas travaillé sur ce projet directement. On fait vraiment plusieurs choses. Arquebus, c'est un outil qui nous permet de faire des jeux de manière plus rapide et plus efficace. Seas of Fortune, qui est un vieux jeu de navires sur l'océan, etc. Donc, on est vraiment porté à travailler sur plusieurs prototypes, sur plusieurs jeux différents avec des mécaniques différentes. Donc, c'est un peu la créativité est un peu notre limite. Là, on est vraiment à fond dans plusieurs jeux et dans plusieurs concepts. Donc, c'est pas mal ça pour Qatar Games. De ce que je comprends dans ton quotidien, est-ce que on peut dire qu'on travaille sur différents projets en même temps ou on se met à 150% sur un projet de jeu vidéo puis on délaisse les autres? Comment ça se vit ça, au quotidien? C'est une très bonne question, Andréane. De mon côté, personnellement, j'ai un seul projet qui me prend tout mon temps, dans le fond, à temps plein. Alors que d'autres personnes vont être capables de jongler entre 3 ou 4 projets en même temps. C'est je dirais plutôt récurrent pour une personne d'avoir plusieurs projets en développement de jeux vidéo. Ou en fait, c'est tout dépendamment de l'entreprise pour laquelle on va travailler parce que chacune a leur méthodologie de travail différente. Mais c'est vraiment quelque chose. Puis à l'intérieur même d'une organisation, il va y avoir plusieurs projets en parallèle. Donc, si on peut penser à des Ubisoft ou à des Binox, ben non seulement ils vont travailler en partenariat avec Activision ou ils vont faire des Call of Duty, des Assassin's Creed, mais c'est pas le seul jeu qui va être en développement. Ils vont toujours avoir d'autres choses qui roulent sur le côté. Donc, c'est ça. L'opportunité de toucher à plusieurs choses en même temps, oui. Et puis, de façon un peu plus concrète, à quoi ça peut ressembler une journée type dans tes fonctions comme programmeur, développeur en jeu vidéo chez Qatar Games?
je vais juste arrêter de partager quand, bref, pour revenir ici. De mon côté, à quoi ça ressemble une journée de travail? Ben, premièrement, je veux juste démystifier un des premiers mythes qu'on peut penser à la programmation, là, c'est qu'on travaille tout seul dans son sous-sol. Je vous en dirais de mon bureau, oui, je suis à distance, je travaille d'une certaine manière tout seul. Mais la première chose que je fais en arrivant le matin au travail, ou du moins en me connectant sur mon ordinateur, c'est de dire bonjour à mes collègues, parce que c'est pas vrai que tu travailles tout seul en jeu vidéo, c'est des grosses équipes qu'il y a derrière la production. Puis c'est vraiment important de se coordonner, de savoir sur quoi est-ce que nos collègues travaillent en ce moment pour être capable d'entrer tout le contenu nécessaire à temps et en ordre. Donc, c'est pas mal une des premières affaires que je fais. Je parle avec mon équipe. Ensuite, je vais ouvrir tous mes outils de gestion. Donc, je sais pas si vous connaissez des Jira ou des Trello. C'est des choses qui vont vous permettre de juste savoir puis planifier à l'avance c'est quelles tâches vous avez besoin de faire dans vos semaines, mois, années à venir, mettons. Donc, on ouvre ça. Puis on se demande, c'est quoi la priorité? Qu'est-ce qui est vraiment important de faire en ce moment pour débloquer peut-être certaines personnes qui seraient avec certains problèmes que je peux les aider ou est-ce que je suis capable de faire telle autre fonctionnalité? Donc, on va prioriser nos actions et on va se lancer là-dedans. Fait qu'on commence avec nos priorités. Puis ce qu'il faut savoir de la programmation, c'est que c'est beaucoup de travail de recherche. Parce qu'éventuellement que je trouve ma priorité, forcément, ça ne veut pas dire que je vais savoir directement c'est quoi que j'ai besoin de faire. Fait que là, je vais commencer à regarder dans le code. Est-ce que je suis capable de trouver par moi-même c'est comment je vais être capable de régler le problème? Est-ce que je ne vais pas avoir besoin de parler à un collègue? Est-ce que je ne vais pas avoir besoin de chercher sur des forums en ligne ou etc.? Donc, ça prend beaucoup de débrouillardise. On se renseigne, on documente. Une fois que le bug est terminé, si on le termine dans la journée, donc, on envoie notre travail sur un serveur où est-ce que le travail de tout le monde est pris en compte. Puis, c'est un petit peu comme ça qu'ensuite, on retourne voir nos priorités. C'était quoi ma prochaine priorité, la nouvelle priorité? Puis, on fait, dans le fond, des itérations un petit peu comme ça pour ensuite toujours continuer de travailler. Puis, au final, le but, c'est de toujours avoir du travail, de jamais se tourner les pouces. Donc, puis j'imagine que ça doit être assez rare là, qu'on en vient à se tourner les pouces parce que des bugs puis des ajustements quand on est en développement d'un jeu, j'imagine que ça doit être assez fréquent. Là. Des bugs, il y en a pas mal. Souvent, on a des bases de données dans lesquelles on va rentrer tous nos bugs. Puis c'est pas rare de voir les numéros d'index qui montent toujours à coup de 1, se rendent dans les 100 000, dans les 200 000, puis ça continue de monter. Je trouve ça intéressant le fait que tu apportes qu'on ne peut pas ne tout savoir directement là, en programmation. On n'est pas une encyclopédie. Il y a toujours des trucs, des informations à aller chercher, à pousser plus loin là, son questionnement, puis se montrer curieux aussi. Là, ça a l'air d'être super important dans ton travail. Oui, se montrer curieux est définitivement une bonne qualité à avoir en programmation puis d'être débrouillard. Parce que c'est justement de se faire bouger de projet en projet. Si le projet a déjà été commencé par une autre équipe depuis, mettons, 5 mois, des chiffres arbitraires, ben on ne sait pas qu'est-ce qui a été fait les 5 mois derniers. Puis forcément, si on prend une action en jeu vidéo, par exemple, faire sauter un personnage, il y a des milliers de manières différentes de faire sauter un personnage. Chaque jeu va trouver ses propres façons de le faire, d'implémenter sa fonctionnalité. Fait. Pour un programmeur qui arrive dans un nouveau jeu qu'il a jamais regardé, s'il y a un bug relié au fait que le personnage il ne saute plus quand on clique sur le bouton de sauter, ben là, on peut se demander c'est quoi le problème? Est-ce que c'est la manette qui est brisée, premièrement? Est-ce que la manette n'était pas connectée, premièrement? Est-ce que c'est pas l'action qui se rend pas? Ou est-ce que c'est la vélocité du personnage qui est à zéro? Les causes sont vraiment multiples. Donc, on ne sait jamais vraiment dans quoi qu'on s'embarque avant vraiment d'avoir mis les mains dedans. Et chaque projet est unique. Tu viens de le mentionner, la simple demande de faire sauter un personnage dans un jeu X ne sera pas nécessairement la même programmation pour la même action dans un autre jeu. Donc, ça peut être un défi, j'imagine, au quotidien. Oui, exact. Ça peut être un défi au quotidien de juste s'adapter puis de juste toujours en découvrir. Par exemple, comme en ce moment, le projet que je travaille utilise un certain paradigme que j'avais jamais vu auparavant. Donc, c'est les premières semaines. Oui, on se dit qu'on est des professionnels, mais le travail d'un professionnel programmeur,
c'est justement d'apprendre puis d'être débrouillard à travers ça. Puis au final, même si au début, on ne connaissait pas ça, ben c'est de l'apprendre puis de montrer qu'on est capable de faire le travail. Maintenant, au niveau de la formation, Sébastien, si tu peux nous parler de ton parcours scolaire et professionnel là, pour est-ce qui t'a mené à faire ton travail actuel en jeu vidéo? Oui. Mais en fait, moi, je trouve que j'ai un parcours un petit peu spécial parce que, en fait, quand j'ai fini le secondaire, je ne savais pas directement ce que je voulais faire. C'est quand je dis que j'avais besoin d'orientation. Puis j'avais justement été voir un orienteur qui avait dit « Ah ouais, tu devrais essayer l'informatique » parce que ben moi, je voulais rien savoir des sciences, je voulais pas faire sciences nat. Puis je me disais que sciences humaines, même si j'aurais adoré sciences humaines, maintenant je me rends compte avec le recul, je me disais que je voulais pas aller là-dedans non plus. Fait que j'ai comme juste essayé l'informatique. Puis ce qui m'a accroché quand j'ai fait mon deck, parce que j'ai fait un deck et un bac, ce qui m'a accroché quand j'ai fait mon deck, c'était le fait de faire fonctionner. Parce que quand j'ai été arrivé à choisir dans qu'est-ce que je voulais faire dans le jeu vidéo, par exemple, j'avais fait aussi des démarches pour devenir animateur puis de faire le côté artistique d'un jeu. Mais une personne m'avait dit, nous, on s'arrange pour que les jeux soient beaux, pas qu'ils soient fonctionnels. C'est là que je me suis rendu compte que je voulais faire en sorte que les choses fonctionnent. Je voulais programmer des choses puis je voulais pas juste que ce soit beau, je voulais être capable de partir de rien du tout. Mais d'être capable de monter un jeu, qu'il soit pas beau, au moins j'aurai un jeu. Puis c'est vraiment le côté fonctionnel que le cégep va amener. Puis c'est le sentiment, addictif, de faire en sorte qu'on arrive à un produit qui fonctionne. D'avoir le petit « yes, ça marche ». C'est un sentiment addictif. Puis ensuite, tu veux toujours en faire plus, tu veux toujours développer des nouvelles affaires, justement pour avoir ce feeling-là, qui est au final beaucoup de fierté, je vais dire. Puis, dans le fond, c'est ça. Mon parcours m'a amené à faire 3 années au cégep en programmation de jeux vidéo. Oui. Ensuite, quand je suis arrivé au bac, j'ai rencontré quelqu'un qui m'avait dit que le but du baccalauréat, c'est de faire pousser nos réflexions. C'est qu'une fois qu'on a le « yes, ça marche » et qu'on est content de l'avoir, le baccalauréat va te demander « ouais, mais est-ce que c'est bien fait? » Est-ce que tu es fier de ton code? Est-ce qu'il y a des choses qui auraient pu être améliorées? Ou est-ce que tu aurais pu faire ton saut d'une autre manière qui aurait peut-être été moins coûteuse pour l'engin, etc.? C'est là qu'on arrive vraiment à se poser des questions. Puis quand tu jumelles le « yes, ça marche » puis le « c'est bien fait », c'est comme là que tout les planètes s'alignent, je veux dire. Et on est vraiment juste content de voir en sorte que tu es... On a livré un travail professionnel, c'est bien fait, ça fonctionne. Les chances qu'il y ait des bugs sont minimes, parce qu'il y aura toujours des bugs, on va se le dire. Ce n'est jamais arrivé de faire une fonctionnalité sans qu'il n'y ait aucun bug. Mm. Ça n'arrive jamais. Dans le fond, le but, c'est de réduire ces options-là. Fait que quand tout ça est bien monté, c'est ce que l'université va amener comme sentiment addictif à son tour. Puis là, dans le fond, moi, j'ai pas continué avec la maîtrise en informatique. Mais il y a plusieurs personnes qui vont le faire pour se spécialiser dans des domaines, que ce soit de l'intelligence artificielle, que ce soit, ça pourrait être des calculs plus poussés, ça pourrait être en infographie, ou etc. Donc, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de spécialisations de possibles. Donc, c'est pas mal ça. Donc, pour les jeunes là, qui sont au secondaire, bien, une fois que vous avez obtenu votre diplôme, vous pouvez faire votre demande d'admission au cégep en technique informatique, en programmation, jeux vidéo. Et ensuite, si vous le désirez, parce qu'il y a quand même des belles perspectives d'avenir avec la technique, vous pouvez faire la passerelle DECBAC, faire votre entrée à l'université et puis là, poursuivre là, dans le domaine de l'informatique programmation pour obtenir votre baccalauréat. Si on poursuit maintenant avec une question de Derek qui se demande en général à quoi peuvent ressembler les conditions de vie, le salaire, où est-ce qu'on vit bien finalement en jeu vidéo? Est-ce que c'est un domaine d'emploi qui est stable puis qui a des belles perspectives d'emploi? Je vais répondre à ça. Dans le fond, en parlant de l'informatique en général, je veux dire. C'est certain que le mythe, c'est que le jeu vidéo, on le fait souvent par passion. Parce que souvent, il y a certaines personnes qui vont dire « Ouais, mais si tu es juste intéressé par l'informatique puis que tu es prêt à juste comme, je vais dire, faire des sites web ou etc., ce qui est un très beau domaine aussi, c'est juste comme c'est pas le côté
de jeux vidéo que la majorité du monde vont faire « Oh, mais je veux faire des jeux. » Attends, il y a beaucoup d'entreprises qui vont être capables de payer leurs employés beaucoup plus cher qu'en jeu. Mais je pense quand même que le jeu a des salaires très compétitifs quand même. On arrive à bien gagner notre vie. Je vous parle en direct de ma maison, puis je travaille en jeu vidéo. Là, je veux dire, c'est pas là vraiment le problème. Il y a des entreprises qui vont donner des assurances, ou etc. Donc, je pense que là n'est pas le problème. Je pense qu'on peut très bien vivre. Puis comme je disais, si tu es vraiment juste intéressé par la programmation et l'informatique, quand on y pense, toutes les entreprises maintenant sont informatisées de nos jours. C'est vrai. Ils vont engager du monde en programmation, en télécommunication chez Bell, par exemple. Ils peuvent engager pour faire des sites web. Au gouvernement, on engage en programmation. Donc, on a besoin de programmeurs partout. Donc, moi, ce que je pense, c'est quand on regarde la programmation, ben on a comme un buffet devant nous d'entreprises. Puis là, il faut juste savoir de quoi j'ai envie. Mm-hmm. Qu'est-ce que j'ai envie de programmer? Quels sont les défis que je recherche? Je pense que dans n'importe quelle entreprise où qu'on va tomber, on va avoir de belles conditions de vie. Puis, je trouve ça intéressant le fait que tu apportes que c'est un bel arrimage, justement, entre la passion pour les technologies de l'information, l'informatique en soi, mais aussi avec une entreprise qui partage une passion puis les valeurs similaires. Si on a une passion, par exemple, pour le jeu vidéo, ben pourquoi pas arrimer informatique et les jeux, mm-hmm. au même principe que si on est passionné par la danse, ben on pourrait aussi travailler en informatique pour un studio de danse, par exemple. T'sais. Donc, il y a quand même possibilité là, de greffer deux passions en une. Ça, je trouve ça super intéressant pour ton domaine. Oui, puis les projets en informatique, ça continue d'avancer l'informatique. On est toujours en développement. Puis il y a plusieurs projets qui doivent s'en venir pour le futur. Puis à chaque fois, ça nous surprend toujours de plus en plus de voir ce que certaines personnes arrivent à faire dans le domaine. Donc, ça pourrait être des simulations de vol pour l'armée. Les options sont infinies. Mm-hmm. Je vais enchaîner avec une question ici de Daniel qui se demande quelle est la part de l'autodidacte dans le domaine des TI? Je dirais que la part de l'autodidacte est quand même très présente, je dirais, parce que comme je disais tantôt, c'est beaucoup de débrouillardise. Ça ne veut pas dire qu'on va tout apprendre nos cours par nous-mêmes, etc., parce qu'il y a plusieurs notions qui peuvent être très, je veux dire, spécialisées, puis tu veux avoir un professeur pour te l'enseigner. Mais c'est vrai que la majorité du temps, tu peux arriver devant un bug, puis tu te demandes « mais pourquoi ça fait ça? » pour te ramasser sur des forums qui vont dire « Ouais, mais c'est parce que c'est ta carte graphique, c'est telle affaire. » Puis là, c'est toi, tu n'as peut-être juste jamais ouvert ton PC. Tu sais pas c'est quoi une carte graphique. Fait que là, bon, OK, ben on va ouvrir le PC, on va aller voir. Là, j'en mets épique, mettons. Là. Mm-hmm. Mais tu sais, c'est juste pour dire que oui, ça arrive de se faire surprendre parce qu'on voit dans le domaine. Puis oui, faut apprendre sur le tas. Mais selon moi, c'est jamais quelque chose qui est inatteignable, par exemple. Mm-hmm. Puis ça rejoint aussi les qualités de la curiosité puis de la débrouillardise qui est super important en TI, plus précisément en programmation des jeux vidéo. Donc, d'une certaine façon, si on se montre super autonome, super débrouillard, ben il y a une part aussi d'autodidacte là-dedans. Il y a une autre question ici, là, j'enchaîne tout de suite avec oui. Zachary qui se demande plus concrètement, en fait, une journée de travail, ça ressemble à quoi au niveau des heures que vous devez travailler là, tout, dans ton équipe? Je te dirais, les heures qu'on doit travailler au Québec, la majorité des entreprises essayent de plus en plus de couper l'overtime. C'est quelque chose que... C'est juste la mentalité québécoise. On n'aime pas ça, l'overtime. On veut être bien chez nous, puis on veut être capable de faire nos petites affaires. Passer notre temps avec notre famille, surtout dans le temps de COVID qui est de plus en plus fou. Donc, je te dirais que les temps, actuellement, ça s'en va jusqu'à du 40 heures, du 37,5. Même moi, j'ai décidé personnellement de faire du 35, puis mon employeur a accepté. Donc, c'est le fait de voir que si, exemple, on arrive à se lever tôt le matin, puis travailler de 7 heures à midi, par exemple, puis que c'est un 7 heures, ben 7 heures à midi efficace, ben on a quand même déjà 5 heures de fait sur notre journée, puis... Je veux dire, d'une certaine manière, quand tu es capable de parler avec tes collègues et etc., ben, je trouve que le nombre d'heures à effectuer, c'est pas plus que la norme. C'est la même affaire que dans la majorité des industries. Donc, ouais, c'est très accessible aussi. Ça peut être justement
la façon de démystifier un autre mythe, parce que des fois, on a l'impression qu'en jeu vidéo, la compétition est tellement féroce, faut tellement rendre un produit exceptionnel en peu de temps des fois qu'on a l'impression que les programmeurs, les développeurs derrière le projet font des heures de fou. Mais là, de ce que je comprends, c'est que c'est un mythe. Là. Finalement, vous avez des belles conditions. Oui. Nous avons des belles conditions. Mais c'est un mythe, mais ça peut arriver. Okay. Par exemple, qu'on arrive à 2 mois d'un lancement d'un jeu et qu'on n'a pas le résultat qu'on voulait, ben on va demander à l'équipe de « OK, on est-tu capable d'en donner un peu plus? » Mais souvent, ces heures-là additionnelles vont être redonnées par la suite, ou etc., que ce soit en vacances ou en salaire. Donc, il y a des façons. C'est pas « Ah, à l'année longue, je vais faire du 70 heures semaine. » Ça va vraiment être très, très momentané, très, très ciblé. Souvent, c'est juste avant de lancer un jeu. Donc, c'est pas que ça arrive jamais, mais c'est qu'en général, c'est pas notre mode de vie, l'overtime. Je veux dire, depuis que je suis chez Qatar, j'ai pas fait d'overtime. Et puis, une autre question concernant les possibilités d'emploi. On sait que présentement, toi, tu travailles comme programmeur, développeur pour les jeux vidéo. Oui. Mais quels seraient les autres secteurs possibles pour quelqu'un qui a une formation similaire à la tienne? Dans le fond, pour un autre programmeur, où est-ce qu'il pourrait aller aussi? Oui, c'est ça. Comme je disais tantôt, des programmeurs, il y en a vraiment partout. Dans le sens que on pourrait travailler au gouvernement. Je veux dire, ils ont plusieurs logiciels pour le réseau de la santé, par exemple, où est-ce qu'ils ont besoin d'une personne compétente. On a besoin de personnes compétentes, que ce soit pour de la consultation. On peut penser à CGI. On pourrait penser, par exemple, à des sites web pour, par exemple, des journaux. Fait que Le Soleil ou etc. Je suis pas mal certain qu'ils ont peut-être des équipes de programmation où ils ont des consultants en programmation qui vont le faire pour eux. Donc, pour les, je veux comme pas donner que certaines places parce qu'ils cherchent du monde partout, d'une certaine façon. Puis, quelque chose qu'on entend souvent aussi, c'est que les programmeurs ont le gros bout du bâton, justement parce que les entreprises s'arrachent le personnel efficace. Donc, forcément, c'est pour ça qu'on voit du monde souvent changer d'entreprise. C'est parce que souvent, ils se font donner de meilleures offres par d'autres compétiteurs. Et ça amène beaucoup à ce que le monde se déplace. Et puis, selon ta passion, puis ton expérience personnelle, pourquoi choisir le monde des jeux vidéo plutôt qu'un autre? C'est plus personnel comme question. Ouais. Ben moi, j'ai choisi le jeu vidéo simplement, comme on dit, par passion, parce que je suis moi-même un gamer. Puis c'est pas vrai que toutes les personnes qui travaillent dans le jeu vidéo sont des gamers non plus. Ça, c'est un autre mythe. Il y a du monde qui ne joue pas, mais qui en font. Mais moi, c'est comme depuis que je suis tout petit, je niaisais que j'allais faire des jeux vidéo un jour. Puis quand je suis arrivé pour choisir, je me suis dit, ben pourquoi pas rendre ce rêve-là d'un tout jeune de faire ces jeux. Donc moi, c'est vraiment par passion que je le fais. Des fois, je me dis que j'aurais pas vraiment de misère à aller ailleurs parce que l'informatique m'intéresse. Mais j'aurais de la misère à quitter le jeu. Je veux juste faire cette petite démarcation-là. Donc, c'est vraiment par passion, c'est pour le fun, c'est pour le monde qu'on y rencontre. Donc, c'est par passion. À Jeune Explo, on encourage beaucoup la mixité en emploi. Donc, on fait la promotion auprès des jeunes filles d'aller vers des métiers typiquement masculins et l'inverse, les jeunes garçons aller vers des métiers plus typiquement féminins. Dans le monde des jeux vidéo, un autre mythe, c'est que c'est souvent associé au genre masculin. Est-ce que tu aurais un mot de motivation pour les jeunes filles qui nous écoutent, qui auraient un intérêt pour les jeux vidéo et pour la programmation et pour le développement? Oui. Ouais, je t'en parle puis ça me rappelle mon cégep. On avait quelques filles dans le programme, puis les filles, si vous voulez aller en informatique, je vous garantis que ça va vous arriver. Tous les gars, là, on les chouchoutait. Là. Il y en avait en effet pas beaucoup, parce que c'est un domaine qui est fortement masculin, mais on les chouchoutait pour pas qu'ils s'en aillent. On voulait vraiment qu'ils restent. Parce qu'en effet, dans le côté programmation, il y a moins de filles. Mais je pense que les filles sont très fortes là-dedans. Je pense qu'ils ont un côté logique très puissant. Donc, les filles, j'ai rencontré de très bonnes programmeuses. Quand on parle de l'industrie du jeu, souvent quand on va prendre l'ensemble, que ce soit le département des sons, que ce soit le côté artistique, que ce soit la gestion, mais là, on voit vraiment plus les filles dans le domaine. Mais certains, si on parle que de programmation, il y en a moins. Puis c'est vraiment triste parce que je pense qu'elles ont vraiment des compétences fortes pour la programmation. Puis de persévérer à travers ce métier masculin parce que, ouais, je pense que vous avez votre place autant que nous là-dedans.
Voilà. Donc, on veut plus de filles sur les bancs d'école, en programmation. Il y a de la place pour vous. Mesdames, si jamais vous voulez faire carrière là-dedans, on vous attend. Là, il n'y a pas de barrière associée au genre. On va terminer avec une question ici de Zachary qui demande, selon toi, Sébastien, quelles sont les qualités requises pour être programmeur, développeur en jeux vidéo? Oui. Premièrement, je te dirais, ben là, on en parle depuis tantôt, puis je ne l'aborderai pas trop, là, la débrouillardise, la curiosité, ça, pour moi, c'est important. Deux, je dirais, c'est d'avoir un bon esprit logique. Parce que c'est pas toujours, comme je disais tantôt, qu'on doit faire beaucoup de recherches. Ben, c'est à se demander, c'est quoi notre problème, c'est où la source. Ça veut pas dire que c'est forcément toujours ce qu'on pense. On peut être très surpris quand on travaille par l'origine des problèmes. Puis d'avoir un bon esprit logique, c'est ça te permet d'éliminer des options. De, ah, ben, si j'arrive à faire telle chose dans mon jeu, exemple, si je dis que j'arrive à courir ou etc., ben, forcément, parce que j'arrive à courir, ben, je sais que ma manette plante pas, mettons. Mais, tu sais, l'esprit logique veut que, et voilà, ça veut dire que c'est pas la manette le problème, mettons. Donc, c'est ça, c'est vraiment juste d'avoir un bon esprit logique. Actuellement, d'être fort en mathématiques, ça peut beaucoup aider également. Okay. Il y a beaucoup de calculs que ça pourrait être. Ben là, c'est plus côté engin, côté ordinateur, mais des calculs matriciels, ça existe. Actuellement, on n'a pas besoin de travailler avec ça tous les jours, mais il faut juste le garder en tête. Donc, les mathématiques, ça peut être un atout également. Je te dirais que c'est pas mal ça. Mm-hmm. Vraiment, la débrouillardise puis la curiosité me reste en tête beaucoup, beaucoup. L'esprit d'analyse aussi, l'esprit logique. Derrière les problèmes là, qu'on peut rencontrer, ça serait aussi des qualités. Je vois ici là, que le temps file énormément, il nous reste très peu de oui. minutes. En terminant, quels seraient tes conseils pour les jeunes, filles et garçons qui ont un intérêt pour les jeux vidéo, puis qui voudraient poursuivre là, pour le domaine des TI? Moi, je vous dirais, c'est les conseils. J'ai presque envie de repartir sur les qualités qu'on vient de jaser. Oui. Mais rendu là, je pense que je vais en rajouter une autre de plus. Je vais rajouter l'écoute, que ça fait beaucoup de, on va dire, de gros bon sens. Mais l'écoute, c'est super important pour travailler avec son équipe parce que je suis contenu de penser que c'est un mythe qu'on doit travailler tout seul. Travailler en équipe, c'est super important d'avoir des bonnes relations avec son équipe. Donc, d'être capable d'écouter les idées des autres puis de partager les siennes au bon moment, c'est vraiment un atout également à avoir. Et puis de rester curieux, même en ce moment, les jeunes au secondaire, ayez pas peur là, de pousser plus loin l'exploration, faites des tests. On entend beaucoup parler aussi là, des programmeurs, il y en a qui donnent comme conseil aussi de tester des petits programmes de programmation, puis d'essayer de sortir de sa zone de confort, s'initier un peu à ce monde-là, parce que c'est un monde infini, puis la créativité, tu l'as dit plus tôt, c'est la limite en soi. De sorte qu'il n'y en a pas pratiquement là, en jeu vidéo. Il n'y a pas tant de limites à la créativité. Donc, c'est ce qui rend beau ton domaine. Alors, c'est tout le temps qu'on avait aujourd'hui. Je tiens vraiment à te remercier en mon nom, celui de Jeunes Explo et des jeunes, pour le temps que tu as accordé à l'entrevue. J'espère qu'à la maison, ça a pu vous aider par rapport à votre choix scolaire et professionnel. On en aurait beaucoup plus à dire par rapport au monde du jeu vidéo, mais suivez votre passion, les jeunes, et poursuivez par ce beau domaine plein d'avenir.